Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais vous faire encore un petit unboxing d'une paire que j'ai eue pour Noël. Donc c'est une paire que je voulais depuis un bon moment. J'avais pris un gros L dessus, ce qui m'avait fait un petit peu mal, surtout que c'était une paire que je kiffais de ouf. Avant de commencer la vidéo, surtout abonne-toi à ma chaîne et active la petite cloche des notifications. Comme ça t'es au courant de chaque nouvelle sortie de vidéo. Et abonne-toi également à mon compte Instagram pour suivre toute mon actualité. Sur ce, on y va! En fait, on va pas trop perdre de temps. Vous l'aurez reconnu à la boîte, il s'agit d'une paire de Air Jordan 1. Au niveau de la boîte, il n'y a pas grand chose de différent. Voilà, boîte à l'ancienne noire avec le Nike en rouge. Ce qui change, c'est ça. Voilà, ça, ça change. Avant, l'étiquette était beaucoup plus épaisse. Je vais vous montrer sur une autre boîte. Attendez, l'étiquette, elle est comme ça. Voilà. Et là, la nouvelle, elle est comme ça. Voilà, avec le petit QR code, etc. Alors, hop, on enlève le couvercle. Voilà, tac, hop. Donc là, on tombe sur la paire qui est juste magnifique. Donc vous l'aurez reconnu, il s'agit de la Jordan 1. Alors elle est appelée Obsidian, mais également UNC Obsidian. Voilà, je vais vous expliquer après pourquoi. On va la sortir. Boum, boum. Donc là, voici la paire. Donc avec, on reçoit un petit, voilà, un petit sachet avec les lacets bleus comme ça. Voilà, donc pour aller avec la paire, voilà, c'est le même bleu que la paire. Bon, moi je les trouve pas ouf. Je préfère largement laisser ceux qui sont un peu bleu marine. C'est beaucoup plus joli, je trouve. Donc voilà, avec j'ai reçu voilà le petit tag. Donc c'est une paire que j'ai acheté sur StockX. Enfin, qui a été acheté sur StockX, voilà, qu'on m'a offert pour Noël. Donc voilà, le petit tag StockX. Avec, tu connais, le petit autocollant comme ça. Voilà. Donc en fait, la paire reprend coloris en fait de l'équipe de Michael Jordan. Donc les Tar Heels, donc en Caroline du Nord. Équipe universitaire. Donc on a une paire qui est quand même très très belle visuellement. Moi personnellement, je trouve que c'est la plus belle Jordan de 2019. Hors collaboration. Colorway est ouf. Après, faut savoir que moi ma couleur préférée ça reste le bleu, donc forcément c'est une paire que j'apprécie, qui va être pour moi très facile à matcher. Putain, j'ai un épi de ouf là. Ok. Oh vas-y, tu sais quoi, vas-y, c'est chiant. Bref, on s'en fiche. Donc pour moi ça va être une paire qui va être assez simple à matcher finalement. Voilà, je vois direct comment je vais la porter de toute façon. Et puis je vais vous montrer tout à l'heure en unfit. De toute façon, je vais faire un unfit complet, je vous montrerai comment je la porte. Donc je vais vous la montrer plus en détail. Donc en fait, on a un cuir qui est vraiment plus traditionnel, qui est vraiment pas mal. Donc voilà, au niveau de la toe box, ce serait bien que ça fasse un focus facile. Tu vois, au niveau de la toe box, on a un cuir voilà qui est assez pas mal quand même, je trouve. Voilà. Qui est assez lisse. Donc voilà. Voilà, donc là on peut voir ici, voilà, c'est vraiment bleu marine. Voilà, c'est une très très belle couleur, c'est très joli. Ici c'est un peu plus blanc cassé, et ici c'est un peu plus UNC. Voilà, donc quand on regarde la paire comme ça, bang, incroyable. Elle est juste magnifique. Voilà, avec le petit Nike Air juste là. Voilà, ici voilà, on voit que c'est bleu marine également. Voilà. Avec un peu de terre, ça fait plaisir. Au niveau de la quantité, je sais pas trop ce qu'il y avait. Moi, en tout cas, je l'ai pas eu en premier lieu. Au niveau du sizing, voilà, pour ceux qui connaissent pas ou qui ont pas de Jordan 1, bah, prenez votre taille habituelle, voilà, sa taille normale. Donc si vous faites un 43 comme moi par exemple sur la plupart des paires, et bah prenez un 43, voilà, ça suffira amplement, vous serez très bien dedans. En soi, on a fait un petit peu le tour de la paire, voilà, j'ai pas trop d'autres trucs à dire. Je vais vous faire un petit unfit, je vais faire quelques close-up sur la paire et puis on aura terminé quoi. Allez. Voilà, sur ce, la vidéo est terminée, donc j'espère que ça t'aura plu. Si ça t'a plu surtout, n'hésite pas à t'abonner, à liker, partager et commenter la vidéo. Dis-moi également ce que tu penses de la paire et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Peace !